projet dans le cadre de l'appel à projet multipartenarial. La parole est au vice-président Jérôme Dutroncy. Merci Monsieur le Président, chers collègues. En propos liminaire à cette délibération, je me permets d'ajouter un mot. Ce matin, Yann Mongaburu, notre collègue, évoquait le fait que l'accord de Paris entrait en vigueur. Je crois que c'est important à noter, et d'autant plus que sur la question des réfugiés que nous venons d'évoquer, les réfugiés climatiques seront de fait de plus en plus nombreux dans les années qui viennent. Et nous avons aussi cette crise écologique planétaire qui pour nous, doit être une réflexion au-delà même de notre propre vie quotidienne métropolitaine. Je commence par là parce que cette délibération donc, traite de la reconduction de l'appel à projet Climat Plus. Je tiens à dire que c'est un des éléments de l'axe 6 du plan climat qui est l'axe qui mène un certain nombre d'actions dans le cadre, je dirais, de l'animation territoriale de la métropole vers ses communes, vers sa société civile et vers les habitants eux-mêmes donc de notre territoire. Et l'appel à projet Climat Plus n'est certes pas suffisant pour notre territoire parce que la mobilisation de tous les acteurs est indispensable demain, dès aujourd'hui, pour mener à bien effectivement la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement climatique. L'appel à projet Climat Plus, il existe depuis 2009. Il était au départ à destination des partenaires du plan climat et visait à faire émerger des projets en synergie entre ces partenaires. Il a évolué en 2012 pour réorienter du coup ces projets en y intégrant et en y associant le monde associatif, et notamment le monde associatif qui accueille des enfants dans le temps extra et périscolaire. Nous souhaitons cette année le reconduire, bien sûr, mais nous y apportons quelques petites modifications, puisque cette année, nous avons la chance d'avoir un nouvel outil participatif, la métropole, c'est vous. Et donc en février 2017, cet appel à projet sera publié par ce biais-là. Les candidats pourront disposer de plusieurs mois pour déposer leur candidature. Au-delà de ça, nous souhaitons aussi favoriser une plus grande implication des partenaires du plan climat. Nous proposons qu'un jury se mette en place avec des représentants volontaires de chaque collège de ce comité de pilotage du plan Air Climat. Le travail de ce jury visera bien sûr à évaluer les propositions, les projets, mais sera aussi le cadre d'une réflexion plus globale sur le contenu, la manière de faire pour les années futures. Donc cet appel à projet, je le rappelle, donc, vise à mettre en place des projets donc, en synergie portés par des associations pour des projets donc, qui sont menés dans le cadre du péri ou de l'extrascolaire pour des enfants de notre agglomération âgés de 7 à 13 ans. Vous avez l'ensemble des critères qui sont écrits dans cette délibération. Je note que nous avons aussi auprès de ces associations le soin de les former sur les thèmes de l'énergie, du climat, de la qualité de l'air. C'est le cas donc de nos agents métropolitains, mais aussi de nos partenaires l'ALEC et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui participent. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Évidemment, cette question est importante puisque nous savons aussi que nos communes ont besoin de projets dans le cadre de leurs activités périscolaires, et nous ferons à notre niveau métropolitain ce qu'il faut pour que ce projet puisse être mené le plus largement possible sur l'ensemble du territoire. L'appel à projet, donc, il vous est proposé d'en accepter les modalités. En termes budgétaires, cela représente une enveloppe de 20 000 euros, sous réserve, bien sûr, du vote annuel du budget. Et puis, nous,
Par cette délibération, nous autoriserons le président de la métropole à signer tous les documents relatifs à cette mise en œuvre. Merci.